Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans le débat de Ça vous regarde. Au menu ce soir, eh bien la restauration, le dessous des cas. Quatre invités, je vous le disais, il y a avec moi Perico Legas, bonsoir. Alors, merci d'être là, vous êtes le rédacteur en chef de la rubrique gastronomique à l'hebdomadaire Marianne. Vous écrivez toutes les semaines des papiers, souvent il y a des coups de gueule dans les articles que vous écrivez. Vous dites que c'est une bonne initiative, vous qui observez le monde de la gastronomie depuis des années. Donc le problème, monsieur le député, vous éloignez. Pas clair, on ne sait pas s'il s'agit de privilégier la qualité et l'origine du produit ou le simple fait de l'assembler de façon artisanale à la maison dans le restaurant. Deuxièmement, j'aurais voulu, monsieur le député, que lorsque votre mesure sera mise en place, que la grande administration qui servait à vérifier et à s'assurer que ces normes sont en place, à savoir la DGCCRF, la Direction générale de la concurrence, de la répression des fraudes, soit efficace et en place sur tout le territoire national pour pouvoir s'assurer que votre loi soit appliquée. Or, le gouvernement de M. Fillon l'a totalement démantelée, elle n'existe plus. Alors vous pouvez faire toutes les lois que vous voulez, vous aurez des gens qui viendront sans compétence faire la cuisine et l'administration qui était censée vérifier vos dispositions, elle n'existe plus.